pays a besoin de 5 milliards, le pays arrive à mobiliser autour de 4 milliards. Donc, gros problème, c'est-à-dire, on manque de dollars. Et bien, gros facteur, ça, hein, son facteur, puisqu'elle existait depuis 2018, et puisqu'elle impliquait un ensemble d'éléments de production, t'as carré, un facteur structurel. Là, venir rapidement à deuxième facteur, à qui, malheureusement, pas relaté suffisamment, c'est au problème qui lié, justement, ou bien aux causes qui lié au coefficient de réserve obligatoire. C'est extrêmement important pour nous rappeler pour ça. Qu'est-ce que le coefficient de réserve obligatoire, là? C'est que, si Gary est du seul à la banque, là, les déposer 100 dollars américains, 100 dollars américains, hein, théoriquement, banque n'a pas qu'un bel amène. Jodia, le coefficient de réserve obligatoire, il y aurait le, sur les passifs, libellé en dollars américains, c'est 53%. Mais qui ça, ça veut dire rapidement? Libellé dit que, sur chaque 100 dollars, guerrier Dieu seul, à le déposer la banque, hein, la banque centrale, qui est la donne 53 dollars. Donc, sur chaque 100 dollars, banque centrale, qui est 53 dollars. Eh bien, non, qu'à ça, guerrier, qui s'accrivait? Si t'es ou même seulement tes clients banque la guerrier, ou elle déposer 100 dollars, du coup, vire ou pas besoin de 100 dollars encore, puisque banque la guitare by BRA 73 dollars la donne pour le Kembe. Pour qui ça pour le Kembe? C'est pour plusieurs raisons. D'abord, coefficient réserve obligatoire et des banques centrales, gérer question quantité propre qui a circulé dans l'économie en crédit, etc., etc. Bon, donc, à question de légitimité, mais en tout cas, vous l'avez. Mais deuxième bagarre là, c'est que, en Haïti, malheureusement, en tout cas, à ma connaissance, pas de loi qui protège des beaux mondes véritablement. Par exemple, aux États-Unis, que le gouvernement fédéral l'a garanti pour jusqu'à 250 000 dollars américains déposés là-bas. Ça veut dire que si vous déposez 250 000 dollars américains au moins, si le banque en fait faillite, le gouvernement fédéral l'a bas ou quoi, pratiquement. Évidemment, si le plus, vous toujours été dans 250 000 dollars américains, pardon. Maintenant, en Haïti, justement, pas contre une loi qui protège des beaux mondes. Mais il y en a un élément de sécurité qui est, c'est le coefficient de réserve obligatoire. Donc, puisque banque yo pratiquement, yo kebe on parti, banque centrale la kebe on parti, ou t'as qu'à dire rapidement que quoi 100 dollars ou à le déposer la banque là, ou pas forcément abdouen ni après, guerrier. Donc ça veut dire qui ça? Donc coefficient réserve obligatoire là, sont contre tout à disponibilité de dollars dans banque yo. Ça sont éléments de vle souligner. Mais au troisième, pas bien tout six, mais on va aller rapidement. Au troisième, aux causes qui liées à ça, ou relais la désintermédiation du formel à l'informel. Mais pour m'expliquer là deux termes clairs, c'est que malheureusement, et c'est gouverneur de banque centrale de la entreprise, malheureusement, en pile fois, si reste de la crédité dans mes banques commerciales, yo, yo pas gagné intérêt pour les clients. Il n'y a pas d'intérêt pour les gens qui viennent acheter des dollars. Il y a d'intérêt plutôt vendre sur le marché informel là. Pour qui ça y a vendu sur le marché informel là? C'est justement parce que le marché informel là, généralement, on taux qui est plus élevé que le marché formel là. Évidemment, Banque centrale là, il y a un ensemble de mécanismes que le deal met en place pour contrôler le problème ça. C'est-à-dire que banque commerciale, justement, qui a pris des dollars dans formel, pas proche de l'informel pour faire plus de bénéfices. Mais en tout cas, la désintermédiation lui-même n'est pas campée. Donc, banque commerciale, il y a une responsabilité par autour, puisque, en une fois, tout là, il y a entré, il n'y a pas forcément de clients besoin, mais il y a le vendre plutôt dans le secteur informel, alors que il y a bon dollar, il y a bon combo en gros. On se demande des problèmes d'affecter, guerrier. Il y a victime comme citoyen, il y a victime comme économiste, mais l'affecter tout comme, et on dit entrepreneur qui possède une firme de consultation pratiquement. Donc, l'on a le fait outre, par exemple, dans le banque là, donc, il va y avoir de là, mais là, bah, ou la goutte. Mais le gros, tout le baoul pratiquement. Donc, tout le baoul là, il pis pas longtemps que tout marché informel là. Donc, tout le vendre plutôt sur marché informel là, et le bon bâtiment pour l'alteré. Donc, banque commerciale, vous pouvez défaire des autres, ça pratiquement, qui c'est des intermédiations du formel à l'informel. Maintenant, nous autres, ça, c'est une troisième cause. Mais bon, quatrième cause, justement, que, qui est liée à trois, à problème de dollars, de joint dollars, même. Quatrième cause, ça, c'est la thésaurisation. C'est que, guerrier, je dis, à ce qu'on 5 000 dollars américains, non, comme on connaît soit le déposer dans la banque, et qu'on a besoin d'avoir une semaine, on va venir. Ou pas pour le déposer dans la banque, ou mettre le bitou en bas matelas la caille, c'est ça, oui, la thésaurisation. Donc, comme là, pratiquement, autorité, on connaît comme là, circuler dans l'économie, hein, mais comme là, pas circuler, puisque comme là, c'est en bas matelas la caille, l'irrité. La circuler dans l'économie, hein, c'est l'utiliser pour faire transaction. Mais comme l'irrité en bas matelas la caille, et surtout, clients, ou bien souvelés, les agents économiques, qui plus intérêt, mais c'est le dollar que vous. Donc, finalement, chaque dollar gagne, finalement, ou c'est le dollar, pratiquement, ou pas mettre dans le système, non. Donc, son lacune tout pour le système, non. Puisque c'est le système, non, ça a qu'à fonctionner mieux.
eh bien, à cause de problème dollar, là, c'est ça, on sait vicieux, même cause là, une baille, un élément de conséquence qui vient d'un encore l'autre élément de cause. C'est que, thésaurisation, hein, veut dire que, on ensemble de agents économiques qui est dollar, non, mais eux, ils ont pas motivé, justement, ils ont pas intérêt pour qu'ils aillent mettre dollar là-bas, puisque vous pouvez venir, ils ont mis dollar là-bas, là, eux. Et ça, c'est la quatrième cause. Mais bon, cinquième cause, justement, c'est ça, Johnny Sauté Fleury, là. Et des restrictions sur Haïti en matière d'importation de dollars américains. Ça veut dire que quand on a un ensemble de transactions étrangères faites sur Haïti, par exemple les transferts, Kobla va arriver, mais comment Kobla qu'on entré autrefois? Autrefois, il y a de cela 10 années, chaque banque commerciale était importée de dollars par eux, chaque banque commerciale était importée de dollars par eux. Mais il y a un problème en Haïti, un problème de blanchiment des avoirs. Et Federal Reserve ne vient pas comprendre. En pile de dollars qui entre en Haïti, c'est-à-dire une certaine quantité de dollars qui entre dans le pays, en pile fois, il ne peut pas circuler dans l'économie en vrai. Mais il ne peut pas circuler pour qui ça? Parce qu'en pile fois, il y a un paquet de dollars qui transite en République dominicaine, calé vers le reste du monde. L'elle transite en République dominicaine, par exemple, parce que soit voyager aux États-Unis, au moment où faire déclaration, il y a un risque, etc. Mais quand tu vas en République dominicaine et qu'il n'y a pas de contrôle pratiquement, on voyage en quantité de dollars volés pratiquement. Donc finalement, en quantité de dollars pas disponible, il y a des risques de blanchiment, eh bien, gouvernement américain, hein, à travers, bon, mais sauf les Federal Reserve, puisque les banques centrales sont indépendantes, il dit que c'est uniquement banque centrale, BRH, qui a importé dollars. Mais BRH tout lui-même, il y a des restrictions justement par rapport à la quantité de dollars capable d'importer, puisque justement il y a des contrôles. Il y a pété, puisque Haïti, jusqu'à autrefois, en tout cas, tout au moins, c'est que l'ité est sous surveillance graphique en quelque sorte pour question et blanchiment des avoirs, financement du terrorisme, etc. Donc, restriction ça, c'est que manquer des dollars qui entrent, qui est porté, c'est-à-dire conteneurs de dollars qui entrent dans le pays, par rapport à ça que t'as dû entrer pour satisfaire besoin pratiquement. Ça, c'est cinquième élément. Sixième élément, c'est justement dernier élément de Johnny Sautroulaté. C'est justement aux causes qui liées à l'immigration. C'est que, en moyenne, hein, Jean-Gouverneur a dit là, en moyenne, chaque haïtien qui parle dans le programme Biden, non, l'époque où qu'on est pratiquement, l'ité qu'a mis cobli dans le système bancaire là, ou bien moun qui entre là, le pape, le connaît, le cobli, machin, cache les vitaux. De tout cobli qui est la banque, l'immobilise elle, et y'a rendu compte que, en moyenne, chaque grand monde qui a prouvé qu'après le voyage dans le programme Biden, non, en moyenne, là, il y a 5000 dollars. C'est comme si Mdado, en moyenne, chaque 10 mon on prend avion galé dans programme Biden nan, en moyenne il y allait à 50 000 dollars américains pratiquement. Donc 50 000 dollars américains cash qui était économien, il est entré justement encore une fois à côté de fait là, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique. Donc là mobilise 6 causes ça mais 6 éléments ça qui est là-dedans des éléments structurels mais également des éléments conjoncturels, on va comprendre évidemment pour qui ça on lacune en tout cas inacceptable de dollars qui est disponible dans le système. Donc voilà guerrier comment on comprend le problème. Mm-hmm. Très bien, et économiste Noumi Jamel là ou saute élaboré pour nous là sur 6 éléments même une qui attire attention moi c'est concernant investissement étranger. Donc jusqu'à présent là pendant dernière année là c'est zéro. Et au saut de bail chiffre de 2017-2018, il était 365 ou 75 millions? 375 millions de dollars américains. Ouais, 2020, nous dit c'est 30 millions. En pile fois, c'est pas de nouveaux investissements. C'est-à-dire que c'est pas comme Zimdado, on non-résident, c'est-à-dire étranger, monde qui pas vivre en Haïti, puis investi. C'est de réinvestissement. On ça veut dire, que il y a des compagnies, notamment, puis aux compagnies de télécommunications mobiles, nous, guerres. Mais lui-même, en pile fois, on partit d'un profit, il va réinvestir. En pile fois, c'est l'IC d'être 30 millions. C'est pas de nouveaux investissements qui puisque, on dit ça déjà, l'ami Kono, c'est que l'entrepreneur lui-même, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de patrie, c'est des cieux cléments, la pchache. L'entrepreneur lui-même, qui s'intéresse, c'est le risque au pays. Depuis 2018, le risque au pays d'Haïti est extrêmement élevé. Donc, au monde, il faut que justement, on ait des raisons extraordinaires pour que vous puissiez en Haïti ou venir investir. Donc, à cause de ça, investissement direct étranger par entrer dans le pays à guerrier. En dépit de rareté qui gagnait sous marché à rareté de dollars et par rapport à kidnapping qui c'est un phénomène qui très courant je dis donc moun yo
yo joine dollar pour bail pour un son. Est-ce que ça gagne effectivement un effet sur ça n'a pas parlé là et puis est-ce que c'est de l'argent que nous ca retracer dans l'économie à l'argent kidnapping yo? Bon, question comme de ça, on pas signaler question ça dans exposé non parce que et parce que les membres pas maîtriser la date bon même j'ai autorité mais ça me cadeau. Et effectivement et moi entendez ou bien moi lis sur réseaux sociaux que gagne justement de rançon qui paye en dollars américains. Maintenant, si les rançons sont payées en dollars américains, il y a deux cas, les rançons sont affichées. Premier cas, c'est que, on sauve les chefs de gang ou bien organisations criminelles qui gagnent dollars là, c'est que, premier cas, les thésaurisés ont parti dans dollars. C'est-à-dire, dollars étaient là, car ils vont même servir avec elle, et surtout, les cas même ont certaines quantités qui pirouent par rapport à ça, ils ont besoin. C'est-à-dire que, les CL, justement, dans base, donc, premier parti, c'est thésaurisation. Donc, ça t'a fait que, gros parti dans dollars qui passe circuler dans le système. Donc, premier cas. Maintenant, deuxième cas, c'est justement, faire rentrer encore quantité de dollars ça dans le système. Nan. C'est-à-dire que le chef de gang peut-être capable d'avoir suffisamment de connexion pour que vous fassiez même comme ça encore, lui entrer dans le système bancaire. Là, évidemment, pas sous nom, mais sous l'autre nom. Si ça, c'est que quand même, vous partez dans le dollar qui entre dans le système nan encore, et ça, si ça fait vrai, c'est là où il est plus facile justement pour vous tracer qui est-ce qui touche le dollar, qui peut sortir, etc. Puisque, en plus, il faut un pays qui a fait investigation pour payer tout le transfert. Ça, eh bien, il y a un peu qui gon série là, et puis ensuite, suivre série A, c'est-à-dire suivre série il y a de qui met le passé à qui met justement jusqu'à ce qu'on vous trace. Mais évidemment, on limite qui est lié au statut informel de l'économie. Donc, moi-même, pas maîtrise la question ça bien, mais moi, dans deux cas, Pierre-Renel Renu, c'est que ça qui arrive pour partie dans le dollar que vous recevez comme rançon qui est thésaurisée, là, ça a son lacune tout à circulation moderne et économique. Ça a tout capable d'accélérer le problème de dollar dans le banque là, mais tout ça qui arrive que bon partie justement qui tourne à le circuler dans le système là. Et l'autre aspect, vous parlez de. Zéro investissement pas rappeler mais à partir vous parlez de à partir de 6 7 juillet donc normalement est-ce que ça t'a veut dire que crise politique yo souvent gagne conséquences sur investissement ou bien sur économie en lui-même? Non, écoutez, dans l'immédiateté et sûrement toute tension politique sociale ça a pratiquement yo gagne de conséquences sur économie hein. Et conséquences il y a toujours des conséquences négatives. M'pas délégitimer sous les deux mouvements de revendication qui légitime, qui m'a de sécurité, qui m'a de fort qu'à manger, qui m'a de l'école, qui m'a de bon système santé. Non, c'est pas ça, non? Mm-hmm. Mais il est clair que, dans l'immédiateté, quand l'économie, justement, a subi événement ça, il y a des conséquences au fonctionnement. Ou même, si on parle de depuis 6-7 juillet, mais m'a parlé d'investissement direct étranger, mais investissement national, il y a tous ces mêmes bagailles, par exemple. Je dis à la, bon, en tout cas, chiffre qui est disponible, c'est depuis 2021, le gouverneur de la Banque centrale, M. Dubois, il explique qu'en 2021, c'est environ, c'est plus passé, et c'est près de 300 millions de dollars américains qui étaient payés à l'investir à l'extérieur. Mais pour qui ça? C'est à cause du problème de l'insécurité, mais aujourd'hui, son paquet d'entreprises qui a fermé Portio s'ouvre dans l'indifférence la plus totale. Autrefois, firme de consultation n'a fait étude sur le secteur de l'artisanat en Haïti. Mais ça nous rend compte que au paquet d'entreprises, soit elle n'a pas fonctionné, soit elle a à peine fonctionné pour le pays salaire. En dépit du fait que vous faites un pile justement vocation, ça veut dire que pas de données, c'est vrai, mais il y a la mort des entreprises qui ont fait là en Haïti sous yeux nous, sans nous parler nous compte. Donc ça veut dire que c'est des difficultés économiques à bien. Donc presque pas de débat sur ça. Quand on gagne toute tension sérieuse, ça a justement affecté l'économie et ceci négativement dans le côté. Mais évidemment, si tension yon pas en meilleure gouvernance, si tension yon pas en situation de sensibilisation, mais peut-être qu'à moyen et à long terme, eh bien, il est capable d'ouvrir son bagage qui est beaucoup plus vertueux. Mais en tout cas, à court terme, attention, ça va bagage l'autre bagage que saboter fonctionnement économique. Entendre le gouverneur de la Banque centrale, nous estimons qu'il est très optimiste quant à une solution à un problème d'indisponibilité de dollars en cash dans le pays. Donc, ou même aussi optimiste. Bon, écoutez. Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons pour nous garder. Maintenant, à très court terme. À très court terme, moi, je suis pas sûr que le problème là est soulevé et après complètement. Pourquoi? Là, je ne vais pas avoir un oiseau de mauvaise augure. À très court terme, qui s'abonne central café, je vous dis,
Banque centrale gen outil yo capable mobiliser, c'est-à-dire question réserve obligatoire etc. Hein? Mais on ne pas camper sous ça. Mais deuxième bagaille, c'est que Banque centrale là t'as qu'à faire au plus bon supervision pour que justement question des intermédiations formelles à l'informel là, ça veut dire banque faire des ordres pour camper des ordres là pour que nous là les bail pour clients qui besoin de financement, c'est-à-dire client vraiment besoin comme là pratiquement. Donc Banque centrale là capable renforcer et supervision, évidemment supervision en général toujours gain faille. Mais maintenant deuxième bagage, c'est que Banque centrale là capable négocier au gouvernement fédéral américain ou bien à Federal Reserve justement pour tout pour importer une quantité de dollars en tout cas qui est supérieure par rapport à celle qu'on importait déjà. Donc si discussion gouverneur avec peut-être Jerome Powell ou bien représentant Jerome Powell qui c'est président Federal Reserve Banque centrale américaine, discussion yo justement a bien avancé, peut-être que à court terme, écoutez, et pas qu'on est non, on peut mitiger le problème en quelque sorte et essayer de résoudre lui. Mais maintenant là nous à très court terme. Mais maintenant à moyen terme justement, moi ouais, gouverneur a parlé de ça justement et APB parlé de utilisation l'autre moyen de paiement. Mais problème qui gagne l'autre moyen de paiement qui c'est des chèques, des virements bancaires, FESPI, etc. etc. Il y a deux problèmes. Le problème nous poser déjà, c'est que nous sommes économiques côté que nous sommes économiques informelles. La majorité moun yo pas qu'on est outils ça. D'ailleurs, tout le monde m'a même bien intégré financièrement. C'est-à-dire qu'on a un problème justement d'inclusion financière. Mais deuxième problème qui gagne, au point qui s'allie, c'est que quand des moun yo FESPI, mais ce qui est en Haïti, l'on fait le don l'autre banque à l'autre banque, il y a deux contraintes. D'abord, il y a un temps d'attente. Ce qui fait 24 heures d'un pour que justement il est disponible dans la banque à l'autre banque. Ça, c'est un. Deuxièmement, bon coût financier qui est associé à ce qui est. Ça veut dire que tout service ça va parler à et non, mais jamais, il n'y a pas gratis. C'est-à-dire client payé gratis. Pour lui. Il n'y a pas gratis. Alors que moi, j'ai vécu en France, guerrier du seul. Oui, en France, on transfère dans la banque à l'autre banque. Il est disponible dans la même seconde là, pas même minute là, non, il est disponible dans la même seconde là et gratuitement. Ou pas payer un goutte pour lui pratiquement. Les banques haïtiennes, malheureusement, il y a des banques là, même en deux banques là, dans la même banque là, ou font compte, ou font transfert, donc compte ou à un autre compte ou, banque là prend frais solide. De compte ou à un autre compte ou encore, banque là prend frais solide, c'est pas normal. Et ça, c'est des frais à utilisation de l'autre moyen. C'est vrai, APB. Moi, bien content. APB, c'est une association. Une association, et par définition, il défend l'intérêt membre. Moi, d'accord, on défend l'intérêt membre. Mais APB doit comprendre que l'autre moyen de paiement, il y a des coûts qui associent à QO. Après, des gens vous faire chèque, frais sous chèque extrêmement élevé. Après, des gens vous faire virement bancaire, frais sous virement bancaire extrêmement élevé, etc., etc. C'est pas normal. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait parallèlement d'autres dispositions pour que ou attirer mon yo. Où est-ce que ça crée dans l'économie? L'offre, les agents économiques, la changer de comportement, ce sont les autorités qui mettent en place à ouvrir des mesures incitatives. On pas capable de me faire virement, alors qu'on va mettre en quête de mesures incitatives, même il n'y a pas de coût qui est associé avec pratiquement. Ça veut dire que ou pas de bonne volonté pour résoudre le problème. Non. Donc, pour moi-même, il n'est pas possible pour que demain matin nous arrivions à une solution avec, comme c'est d'ado, l'utilisation des moyens alternatifs, si justement de mesures pas prendre pour ça. Parce que nous autres disons ça, ou bien on pas qu'être monde justement dans l'économie qui n'a pas élément ça. D'ailleurs, pas bon, éducation financière large en Haïti. Bon, ces dernières années, justement, il y a une amélioration. Mais pas bon, éducation financière systématique qui vous dit, il y a l'autre moyen de paiement, etc., etc. Et deuxièmement, nous n'aurons pas qu'être coût. Troisièmement, nous avons un temps d'attente qui est trop élevé. Donc, le problème, ça, c'est pas demain matin à résoudre. C'est peut-être des problèmes qu'on va aborder dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on va dire là. Et ça aussi, on va aborder. Mon papa, c'est cash les besoins. D'autant plus que c'est une économie informelle. Le monde va l'acheter en téléviseur, non-store, là, par exemple. C'est un cash qui va l'acheter gratuitement. Donc, c'est cash les besoins. Donc, c'est le besoin de cash. On va parler de tout ça, là. Et en plus, on va pas qu'être contrainte. C'est que, mesure ça, on va dire en conclusion que n'est pas viable et que c'est pas demain matin que on va mettre en place. Mais nous, ouais, tout, mon cash, là, c'est une expérience qui marchait. Hein, si il y a une volonté vraiment pour résoudre le problème. Mon cash, oui, notre cash. Oui, et il est arrivé sous le monde qui est plus. Donc, c'est une expérience qui bat le résultat. Est-ce que là, vraiment, dans le cadre dont on est fort pour joindre nos solutions à un problème, ça, option, ça, qui essayait déjà, on va t'en renforcer. Très bien. Et moi pense que d'abord, moi pense que c'est une bonne chose que nous gagnons justement et possibilités électroniques pour que nous fassions virement, nous recevions l'argent, nous, etc. comme mon cash, notre cash, etc. Mais pas oublier, système ça justement, c'est good pratiquement. C'est-à-dire système ça c'est good qui circule en dedans pratiquement. Donc pour qu'on gagne régulation justement ou bien disposition de la banque centrale
qui fait que il y a des transactions qui fait dans dollars américains avec mon cash not cash. J'ai pas oublié problème d'imposer son problème dollar américain. Mais maintenant, troisièmement, voilà mon cash not cash ça, bon, c'est que faut aux yeux qui vont sous yo sous question et frais yo par exemple. Sauf qu'on calcule très simple, malheureusement, je ne vais pas faire l'envoi émission. On va prendre en compte que les frais de transaction sous mon cash extrêmement élevés, parfois plus élevés que des transactions sous le et dans le système bancaire. Ce n'est pas normal pour que moi comprenne qu'il y a des coûts qui liés à maintenant le système mon cash là. Mais les coûts de transaction sont trop élevés. Ce n'est pas parce que la population a besoin de services, de nos services comme ça, là, etc. Et que nous avons des coûts de transfert qui sont extrêmement élevés. Bagay ça, justement, ce n'est pas qui nous régule. D'autant plus qu'on a une économie côté que nous voulons attirer mon à l'autre utilisation. L'autre moyen de paiement, alors que mon paquet de coûts extrêmement élevé, quand il faut lever, il y a dit, mon cash ajusté coût, il y a ajusté frais, pratiquement. Mais en fonction de quoi, moi comprends un ensemble de problèmes dans le pays, mais en fonction de quoi, est-ce que les autorités, notamment l'autorité régulatrice qui est la Banque centrale, ont aux yeux fixés sur ça, ou bien est-ce que ajustement de coûts, ça, il y a en ligne avec justement les coûts déjà trop élevés qui pratiquait dans le système bancaire là ou bien dans le système financier là, de manière générale. Donc, c'est un moment justement pour m'attirer l'attention sur ça. Et Banque Sayo, qui, alors même Monsieur Sayo, qui met entreprise qui a vendu machin yo en dollars pendant trois piro et puis il y a vendu li dans la rue pour revendre nous, c'est chaque semaine yo monte yo dans entreprise là. Donc, ça, c'est un auditeur. Comme économiste, c'est qui sort comprendre dans un message comme ça? Alors,